touch it, bring it, yo, pay sis, it. I don't think they're ready for this it, shit. Leave it, stop, formatted, touch it, bring it, pay it. Hey, yo, let me take their ass back to the club real quick. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, formatted. Bonjour, famille! On espère que vous allez bien, on espère que tout le monde se porte bien chez vous. Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau vlog. Alors, on vous amène avec nous parce que, comme vous savez, bientôt c'est la rentrée. Bientôt c'est la rentrée, du coup on vous amène avec nous pour choisir des baskets pour la rentrée. Mais on vous amène pas n'importe quel endroit, on vous amène dans des boutiques, des déstockages où on peut trouver, oui, et des fins de série, merci Claudine, où on peut trouver des bonnes affaires pour les familles nombreuses comme nous. Donc voilà, on vous laisse continuer. Attends, je vais prendre la caméra parce que lui il veut s'exprimer. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, parce qu'en fait il a déjà vu des baskets qu'il veut. Du coup il est en train de vous montrer déjà la paire de baskets que lui il aurait aimé. Donc on va vous montrer ça tout de suite. Là c'est Abraham qui est en train d'hésiter entre les différentes paires de chaussures qu'il voit. Il ne sait pas en fait lequel choisir. Parlant de ça, tu veux pas qu'on l'appelle Abraham, tu veux qu'on l'appelle Louis Kenzo. Parce que j'ai vu beaucoup de messages, les gens qui disent mais c'est bizarre Sakina parce que sa mère elle l'appelle Louis Kenzo. Comme je disais en fait, beaucoup de gens nous disent dans les commentaires comme quoi moi je l'appelle Abraham alors que toi tu l'appelles Louis Kenzo. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Bah, il a deux prénoms et à l'école on l'appelle Abraham. Oui. Mais j'aimerais aussi qu'il apprenne à s'habituer avec son deuxième prénom qui est Louis Kenzo. D'accord, ok. Donc ouais, maintenant vous avez compris. Donc c'est vrai que... Oui. C'est quoi? Par contre lui il connaît pas les marques. Il aime en fonction de ce qu'il voit. Je vous laisse regarder et après on va voir ce qu'on prend. Hikma, est-ce qu'il y a quelque chose qui te plaît, Hikma? Parce que non, c'est ici c'est pour les enfants, Hikma. Ouais. Donc je pense qu'il faut qu'on aille dans le rayon adulte. Parce que tu vas essayer. Il est content, il est très très content. Vraiment les fins de série des grosses marques. De ce côté-là pour les adultes, donc c'est sympa. Franchement, je suis sûre que ça fait 3 ans par où elle veut là. Ah, la balle, ça va. Tu sais sauter? C'est pas où carrément dans une vidéo il y a quelques années. Ah mais attends, il faut qu'il explique pourquoi est-ce qu'il veut une chaussure qui court vite. Ah voilà, moi je sais l'histoire. Je vais vous expliquer. Attendez. C'est pas... J'arrive, tout ça, je lui dis est-ce que t'es amoureuse d'une fille? Il vient, il me dit oui. Mais après il dit, elle est pas amoureuse de moi parce que je cours pas assez vite. Et il y a un petit garçon qui court plus vite que lui. Et donc elle est amoureuse de lui. Et il a dit il va acheter des chaussures pour courir plus vite. Parce qu'apparemment c'est les chaussures qu'il faut courir plus vite. Voilà. Ah, c'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire derrière les chaussures. Ok. On a essayé en fait les chaussures que Abraham il a choisi, mais ils sont trop grands. Et moi, je disais à Claudine comme quoi on peut les prendre parce que comme il grandit, ça peut toujours lui servir l'année prochaine. Mais bon, après, s'ils sont trop grands, on va peut-être les changer. Parce que là... Abraham, là, tu cours archi vite avec ou pas? Lève-toi pour voir. Il est parti. Il est parti. Il y a les lacets. Il y a les lacets. On va essayer un autre modèle. Et Claudine, elle disait que c'était pas mal parce que c'est vraiment... du bleu, donc ça passe avec tout. Alors que l'autre, oui, alors que l'autre, il était vraiment flashy. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Regarde, Ditsunki se couche par terre. Lève-toi, s'il te plaît. Lève-toi par terre. Voilà, c'est mieux. Alors. Est-ce que ça passe? Oui, oui. Ça passe? Oui. Non, mais c'est juste là, si. Mais ça passe. Oui, mais ça passe. En plus, elle est très belle. Mettez en commentaire ce que vous en pensez. Abraham, tu veux courir un peu avec? Non, ça va pas. Ça va pas. On va partir sur celle-ci. On partira sur celle-là? Oui. Adidson, s'il te plaît, arrête de t'asseoir par terre avec tous les saletés, avec tout ce qui se passe. S'il te plaît, lève-toi. Merci. Il y a des chaises, tu peux t'asseoir à côté. Comme tout à l'heure? Oui. Ok. Bah, celle de tout à l'heure, il n'y a pas ta taille. On va aller voir dans un autre magasin.
la famille, Hikma, elle a choisi ce modèle-là. Elle va l'essayer tout de suite pour voir si, si ça fait l'affaire ou pas. Donc, elle est en train de retirer ce qu'il y a au fond. Il n'est pas mal du tout la couleur aussi. Vas-y, on te laisse essayer. Alors, est-ce que ça rentre ou pas? C'est ça la question. Attends, il faut... C'est serré? Est-ce que c'est serré ou ça va? Tu te sens à l'aise dedans? Tu es sûre? Oui. Lève-toi pour voir. Essaye de marcher pour voir. Ok. Là, elle porte les deux paires de baskets pour voir un peu ce que ça donne. Lève-toi. Ils sont trop trop belles. Ouais, ils sont trop trop belles. Essaye de marcher pour voir. Non, ça le fait trop bien. En plus, avec sa robe, ça le fait très très bien. Moi, j'aime bien. Oui, monsieur. Moi, j'aime bien, ouais. Pourquoi pas? Monsieur. Ah, Dixon, il a essayé celle-là. Qu'est-ce que tu... Est-ce que tu sens, ça va? Au niveau pied, ça va? Tu te sens pas que les pieds font mal? Non. Ça va aller? Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette paire de chaussures, la famille, dans les commentaires? Tu veux bien montrer ce côté-là? Voilà. Vous voyez, il est comme ça, la paire de baskets. Tu peux mettre les deux pieds pour voir un peu ce que ça donne. C'est la même chose. Okay. Là, c'est Abraham qui essaye sa paire de chaussures parce que celle qu'on avait vue tout à l'heure, on n'a pas pu la prendre parce qu'il n'y avait pas sa taille. C'est pas possible. Et là, mais si, on va y arriver. Attends, je vais l'aider. Je vous montre ça tout à l'heure, la famille. On a réussi à mettre la paire de chaussures et monsieur, il a déjà commencé à courir avec. C'est super. Comment tu te sens? Bien, on prend. Bien? Oui, on prend. Ok, c'est super. Bon, et bien, on va partir avec cette paire-là. C'est validé. Du coup, la famille, on a choisi les deux paires qui sont là dans la boîte pour Hikma et Arvidsson. Voilà la famille, c'est la fin de ce petit vlog. Il était très très court parce qu'il faut savoir la famille que j'avais plus de batterie sur la caméra. Au début, vous avez vu, j'ai filmé avec la caméra. Au final, j'ai voulu filmer avec le téléphone mais j'avais plus d'espace. Du coup, j'ai pu vous faire que ces images-là, mais vous inquiétez pas. Puisqu'on est en train de préparer le vlog de chasse aux affaires scolaires qui va arriver, bien sûr, dans pas longtemps. Je vous souhaite tous une excellente journée. Tout dépend du moment où vous regardez le vlog. Et puis, je vous dis à très, très vite dans Sakina Family. À très vite.